Quels sont les gages de ce soir? Éventuellement, faire des déménagements pour une vidéo chez des abonnés qui sont actuellement en train de déménager. Interdit d'être chez quelqu'un qui est à moins de 5e étage sans ascenseur. Bonsoir, c'est Chips, vous fait... En ce moment, on est très à fond sur la vidéo de Bigard chez Jordan Deluxe, évidemment. Mais... Vous l'avez vu, ce buzz? Vous l'avez vu tourner? Extrait. Personne! On va essayer d'imiter le mieux possible. Juste le personne. Attends, faut saturer, faut être juste. Ah oui. Personne! Personne! Pas mal du tout. Toi. Personne! Oh, oui. Donc sur TikTok, personne challenge les amis, en toute bienveillance. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi ici? Rappelez-vous. Faut plus faire ça. Hein. Je comprends. Faut plus que ça arrive. Et Gotha. Effectivement, Gotha et Dwag qui ont, je pense, eux-mêmes oublié ce défi. Complètement. Mais nous sommes des hommes de parole. Et donc, on va aider une abonnée en l'occurrence, ouais, à déménager. On a lancé les formulaires sur Instagram. Vous avez été beaucoup de gens. Vous avez été des nombreux, j'ai envie de dire. Et c'est Bérénice et Juliette qui l'ont emporté comme si c'était une compète. Mais en tout cas, voilà, ça a coïncidé avec le jour et tout. C'était compliqué d'avoir le bon jour, les bonnes conditions, etc. Donc là, on va les rejoindre, donc Bérénice Bien et sûr. Juliette. En plus, c'est deux sœurs, je crois, qui font un déménagement le même jour. Je crois qu'elles se sont réunies. Bref, on va étudier tout ça. On sait même pas où on va vraiment. On a montré le camion? Oh, on a ressorti le camion. Tu sais, pendant que je taffe, t'inquiète. Regardez ça, il est là! Là, voilà, voilà. Les gens envoient encore des textos WhatsApp. C'est parti pour le déménagement de Juliette et Bérénice. Cette vidéo, sponsorisée. Vous savez qu'on est un petit peu, comment dire, ambitieux avec Vinted. On désire être les premiers influenceurs de la plateforme Vinted. Et on a appris que InoxTag avait plus d'abonnés que nous, et ça c'est pas possible. On était les premiers influenceurs Vinted, nous le sommes plus. Donc s'il vous plaît les amis, je fais un appel d'abonnement en masse à notre compte Vinted qui s'affiche là. Sur ce compte Vinted, vous allez pouvoir retrouver déjà nos affaires qu'on porte. Comme à chaque fois qu'on fait des vidéos avec Vinted, on vous met à peu près nos fringues, des éléments issus de la vidéo. Je pense, je vais essayer de voler 2-3 petits éléments à Juliette et Bérénice pour les mettre sur notre Vinted. J'ai hâte de voir à quelle vitesse tu vas aller dans le frigo. Ah bah remarque, il y aura pas de. Le frigo sera peut-être pas actif. Peut-être qu'il y aura quand même un petit peu, peut-être qu'ils enlèveront au dernier moment éventuellement. J'espère qu'ils ont gardé un petit truc à manger quoi, parce que si. Oh, ce mec est sur un vélo d'enfant. Vous l'avez normalement, je vous le voyais passer. Oh, j'adore ce gars-là. Donc Vinted, vous retrouvez des éléments de la vidéo, nos fringues et d'autres choses sur notre compte. Mais par contre, ce qu'on va faire cette fois-ci, parce qu'il y a une nouvelle option sur Vinted cette fois-ci, c'est le compte à rebours. C'est-à-dire que d'habitude, tu te rappelles, on devait mettre en ligne pile au moment de la sortie de la vidéo. Là, on va mettre tout en ligne. Et en fait, genre à un moment qu'on va décider d'ailleurs maintenant, paf, vous pourrez acheter. Et on met en ligne le dimanche à 10h. Et si on mettait genre un peu plus tard comme ça, les gens vont de regarder. Mettons genre 18h. Dimanche à 18h. Dimanche à 18h. Si vous êtes abonné, vous aurez déjà une notification pour savoir que c'est en ligne. Et vous n'avez plus qu'à aller et prendre des petites affaires. Les amis, doublons Inox, attention. Non, attention. Vinted est un bon partenaire en vrai pour les déménagements, parce que souvent c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a plein de trucs qu'on veut plus. C'est l'occasion de faire le tri. L'occasion de faire le tri, j'aurais dit. Ouais, ouais, ouais. C'est quasi la même formule avec quelques détails près. Oh, attends, il y a un mec qui fait long. Regarde, on peut lui donner ça. Peut-être qu'il a envie des gâteaux, on a que ça, on n'a pas d'argent. J'ai fait tomber un peu de café dessus. Excuse-moi, on n'a pas de pièces mais on a à manger, ça t'intéresse ou... Il y a un peu de café dessus mais ils sont bons. Ils sont les couilles, là, mec, toi tu crois qu'il en a quelque chose à foutre? On y est, en fait on y arrive là, genre littéralement. Vous prenez des sous, tu peux leur dire en jeu de l'observation. Dis donc, vous êtes bien là, vous êtes tranquille? Attention, il y a un nouveau concept. On dit des trucs que les gens sont en train de faire. Vous prenez des sous là? Ils peuvent pas réagir à ça. C'est dur. Là, une dame avec son chien, il faut que tu fasses le jeu de l'observation. Vous avez un petit chien, vous? T'as eu un oui? C'est la meilleure. Ça y est, je veux jouer. Monsieur, vous attendez simplement? Vous... Le point n'est pas obtenu. Monsieur, bonjour. Ce chapeau vous tient chaud? Oh non, non. Oui, mais en même temps, il vous protège du froid. Ouais, mais c'est pour un froid moins 5. Je comprends. Ah bah voilà, prenez un bonnet. J'aurais jamais cru que ça donnerait lieu à une conversation. Je veux des points. Bonjour. Vous avez une béquille? Au revoir. C'est un point ça. Au revoir est génial. Ah, c'est là, c'est eux. Ils sont là, ils ont l'air joyeux et beaux. Vous avez réservé une place pour nous. Bravo. Déménageurs. On n'est pas les déménageurs bretons. On est les déménageurs. Un peu con. C'était pas un petit. Attends. T'es quoi? T'es un tout petit breton. T'es mignon mais t'es un tout petit breton. Les déménageurs, un tout petit peu breton. Ouais.
Juliette. Non. Bérénice. Oui. Bérénice. Non. Bérénice. Aaron, salut. Salut. Ça va ou quoi? Et toi? Petit hug, merci d'être là, merci de nous attendre. Ça va ou quoi? Tranquille. Regardez, on a fait un claque extraordinaire. Regardez, viens, on essaie de le refaire. Non. Oh! On essaye, on essaye. Non. Non. Oui! Yes, alors. Attendez, il y a jeu de l'observation. Allez-y, allez-y, madame. Allez-y, madame. Vous avez un long manteau. Et un petit sac. C'est un jeu qu'on aime bien. Et bonjour. Qui okay. est qui alors? Bérénice. Donc c'est toi qui nous a envoyé une petite vidéo. Exactement. Et qui a rempli le formulaire. Exactement. Donc toi tu déménages aujourd'hui? Ouais, mais du coup demain. Mais du coup demain parce qu'il y avait ta sœur qui déménageait le même jour. Oh putain, ça me fait très peur. Ouais. Ça me fait très peur. Ne vous penchez pas! Attendez, il y a un truc déjà pas clair. Il y a deux déménagements, moi j'ai pas signé pour ça. Ah, on en fait qu'un, on fait que celui de Juliette. On te déménage pas toi? Non. Alors pourquoi c'est toi? Parce qu'elle a envoyé une vidéo pour sa sœur. Mais il se trouve qu'elle déménage aussi. Si vous comprenez, dites-le nous. Mais il faut que ce soit clair pour les gens, ils vont être perdus. C'est le déménagement de la sœur de Bérénice qui s'appelle Juliette qui habite là-haut. Ah, voilà. Ok, mais déjà c'est cool, vous êtes réunis, vous êtes potes, famille. Des potes, ouais. Exactement. Vous êtes potes avec Bérénice? Avec Juliette. Est-ce que je peux me permettre de gagner du temps dans les rapports sociaux, même si tout le monde est censé être un peu prude et poli? Qui baise avec qui? Ah voilà, voilà. C'est important de comprendre. Non, mais comme ça, on sait maintenant. Donc rassurez-moi, c'est combien d'étages? 17. 7 avec un ascenseur. 17 avec ascenseur. 100. Quoi, 100? Mais non. 100, j'ai eu deux réponses. 100 étages. Avec, mais sans ascenseur, mais en panne. Mais c'est pas vrai. Non. Ouais, depuis ce matin. Je... Non. Mais tout non, ça bien, c'est forcément une blague. Ça, c'est un troll. Non, c'est un troll, malheureusement. Voilà. Ah, mais non, je tiens à vous dire que si sur la route vous pratiquez le jeu de l'observation qui consiste à dire à quelqu'un ce qu'il fait, simplement, vous marquez des points. Juste dire un truc factuel à la personne comme si on lui disait un truc important. D'accord, je n'ai rien à gagner. Toi, tu filmes. Voilà, exactement. J'ai envie d'acheter un chapeau. Bah, tu as des sous? Bah non, j'ai pas des sous. Mais c'est 3 euros. Alors, c'est quoi? C'est un film? Alors, attendez, déjà, bonjour. Bonjour à vous. Non, c'est vous qui me dites bonjour, venez chez moi. Très juste, c'est vrai, c'est... pardon, très juste. Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Et vous êtes la reine du quartier, apparemment. Alors, moi, j'habite là, ça fait 30 ans. Karine Fitoussi de la Place des Fêtes. Et je suis une influenceuse. Vous tapez Karine Fitoussi, tendance by Chana, j'ai 5000 membres. Et non, je vais vous faire un autographe. Et pardon, mais il y a une légende qui arrive là. J'ai 50 ans, je rigole H24. Ok, je vous fais une blague, vous me dites si elle est drôle ou quoi. Et si c'est drôle, faut rigoler. Je vais pas me forcer. Non. Vas-y. C'est quoi le meilleur antitranspirant d'Algérie? Le déodorant. Parce que ça vient d'Oran. Madame Fitoussi, pardon. Oui, dites-moi. Vous avez 30 secondes. Oui. Pour vendre les produits. Oui. On vous laisse, c'est vous et notre équipe, vous êtes sur YouTube, chaîne secondaire de millions d'abonnés. Je vais essayer de lui vendre et vraiment je pense qu'il va me l'acheter. Je regarde ses yeux, il a les yeux bleus. Allez Flo, c'est pour toi, vas-y, t'es avec Madame Fitoussi, là c'est moi qui filme. Alors on va lui se faire ensemble parce qu'il a les yeux bleus, il est très beau. Ah oui, oui. On va lui faire un ensemble, le bonnet. 32 grammes machine à laver. Ouais. L'écharpe en viscose, sensation, cachemire. Vous avez l'ensemble à 15 euros. Ouais. On va lui faire à 5 euros parce que c'était un charmant garçon. Incroyable, mec. À 5 euros, c'est pour lui. Oh là là, c'est vendu. Elle est trop forte. Ça m'a fait plaisir. Par contre, il va me rendre la tête, sans ça, c'est pas la peine. Voilà, à 5 euros avec le sac. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu fais quoi? Je suis avec Erika, moi. Et voilà, regardez ça. On va faire une petite capture d'écran. À tout à l'heure. Avec un slogan, ouais. Cette femme était incroyable. Extraordinaire. Bon, c'est pas tout, on a un déménagement à faire, les gars. Madame Fitoussi me manque. J'ai adoré, elle prend les choses en main. Y'a tous les albums de ma jeunesse ici. Il y a Deftone Around the Fair, je ne sais même pas comment c'est possible. Il y a Flo the Leader de Korn. Oh non mais c'est fou, il y a Static X, mec. Non mais Martin, tu vas pas le croire ça. Martin, viens voir, je t'en supplie ce qu'il y a. Mais qui on les avait tous. Mais c'est fou. Attendez. Ça, c'est un des premiers EP que j'ai acheté, Cradle of Filth, From the Cradle to the Enslaved. Je sais qu'il se passe toujours des trucs dans nos tournages. Mais on dirait que c'est eux qui ont tout organisé, c'est le Truman Show. Il y a une figurante extraordinaire. Il y a des CD incroyables. Est-ce que ça, c'est en libre service? Oui. Vraiment? Il y a Dragon Ball Z également en CD, le fameux CD de Dragon Ball Z. Ah oui. Ah, la 3 est folle. Pour l'instant, le jeu de l'observation, je dois avoir 4-5 points si jamais... Monsieur, vous sortez de l'immeuble? Ouais. Putain, fort. Putain, celui-là, tu vois, celui-là, il est pointu, il est tech. Messieurs dames, vous prenez l'ascenseur? Oui. Boum! Boum! Il est fort. Madame, vous avez un masque? Vous voyez bien? J'ai un masque. Pas validé. Regarde bien ce qu'il y a derrière, tu vas flipper. Bon, enfin, les gars, c'est du bowling, vraiment. Ah, ça va. On croyait qu'on t'avait enfermé, mon gars. C'est du bowling. Ah, on était dégoûtés que tu sois enfermé, là. Oh là.
Julien, qu'est-ce que c'est que cet ascenseur ? Oh, sur ce fond vert, je voudrais. Ah oui, incrustez-nous où vous voulez dans cet ascenseur. Regarde, Flo, ouais, regarde. Non. Regarde le bouton 17. Pas dingue ce plan. Ce qui est magique chez David, c'est qu'il s'étonne de choses tellement simples. C'est magique ça. 17ème étage. Vous avez pas vu la vue encore. Ouais, il y a une terrasse qui est incroyable. Mais du coup, elle déménage dans un truc moins bien. Ouais. Ouais. D'accord. C'est clairement. C'est une mauvaise nouvelle là, clairement. Ouais. Ok, d'accord. Non, c'est un déménagement triste. Oh le matin. C'est pas bien ça. Bonjour. Salut. Ah, mais oui, vous êtes sœur de fou. On vous a déjà dit que vous vous ressemblez? Non, pas tellement. Attendez, attendez, attendez. Cet appart est génial. Les cartons sont pas prêts. Il faut faire les cartons là. On le prend. Mais non, on le prend pas. Vous quoi prenez... Ah si, vous le prenez. Ah, il part. C'est la pièce maîtresse. Hein. On va pas faire 17 étages. Blague de l'ascenseur, mais pas blague du piano. Ouais. Mais non. Ah, regardez, vous me dites si vous reconnaissez. Mec, personne ne t'écoute. Personne. Toi? Waouh, elle est folle cette terrasse. Ouais. Incroyable. Oh, attention à la tête. Ok, la vue est dingue. C'était juste pour vous cette terrasse? Mais c'est un truc de fou. Juliette, viens avec nous, viens nous expliquer. Vous étiez en coloc? Ouais, en 4. Et donc là, tu déménages pour aller? Dans un autre appartement, à 2, ah. Avec le monsieur qui est en blanc. Là. Ah, ok, ah, d'accord, coloc. C'est pour ça, ok. C'est pas ton mec. Non. C'est juste un copain coloc. Sans sous-entendu. Est-ce que tu perds au change en déménagement, Bah, je sais pas, vous me direz. Ouais. Ok, incroyable. Bon, bah, let's go, s'il faut faire des cartons et tout, il y a du boulot. Le piano m'a calmé, là. Ouais, c'est clair, mec. Je suis chaud, hein, mais... Le piano m'a calmé. Où sont les cartons? J'ai besoin qu'on connaisse la proportion de cartons. Et on doit tout bouger. Ouais. Sauf le piano. C'était un prank. Non, mais le piano, c'est pas vrai. Putain, ils nous ont vraiment dit ça. On s'est vraiment fait avoir. Ah oui, vraiment. De façon très simple. Tu vois, oui, mais je veux... Tu hein. Observation. Oh ah non, oh là là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des chances que je me pète la gueule? Mais non, vas-y. Faut pas y aller trop fort. Oh, le petit bruit, là, le crâne. Vraiment un plan de Shining. Donc il y a des choses à prendre ici, les gros éléments. Dans la chambre, il y a des cartons à faire. Faut tout descendre en bas. Ouais. Donc il y a deux salles, salon, chambre. On descend tout en bas, on met dans le camion. La chambre là-bas, il y a rien qui est prêt quasiment. Si. Ouais, il y a des premiers sacs, mais il y en a quand même besoin. Mais des cartons à faire. Ouais. Alors utilisons nos forces. Lui, stratégie, il aime bien moi, faire là-bas, des cartons. J'adore. Et tout. Je moi, faire des cartons. Moi, très très peu ça, beaucoup de muscles. Exécute ça. Pas tant de muscles, mais il exécute super bien. Énormément de muscles. On met le muscle ici, on met l'esprit là-bas. Ouais, mais on a qu'une cam. Donnez-moi des cartons. Il est où l'esprit? L'esprit est là. Et là, on insiste parce qu'on sait que ça passe. Et ensuite, on a une tranche diagonale et on a une même surface similaire. L'esprit Emmanuel, parce que c'est Emmanuel, l'esprit? On dirait pas, là, qu'il y a assez d'espace pour ça. Là, on a quoi? 15 cm et là, on a quoi? 30? C'est flexible. Regardez bien ce qui se passe. Oui, oui, oui! Mais oui! Voilà! L'esprit. Regardez, c'est pareil, viens voir! 10 cm? 10 cm? On y fera rentrer 23. On croit, on met en tranche, hop, et ça rentre. L'esprit. L'esprit. Bah va voir où il en est, McFly. Allez, c'est parti, quelle idée. Merci Gotha, merci Doig. Je n'étais même pas présent à mon propre déménagement. Pas vous dire mieux. À mon propre déménagement, j'avais oublié qu'on avait un événement ce jour-là et que je pouvais pas être présent. Voilà. Allez, vas-y, on remplit, on a de quoi remplir l'ascenseur là. Alors t'as juste enlevé le truc. Comment on fait pour la rentrée? Alors, est-ce qu'on peut mettre la deuxième, tu crois? Viens, on tente, viens, on tente. Ah non. La deuxième, mec, ça risque... Bah on essaye, on essaye. Vas-y, on commence à descendre ça. Je vais me faire les 17 étages à pied et on va voir combien de temps ça me prend. Je vais essayer de donner le max pour faire le plus rapide. Ok. Bon, on se retrouve. Hein. Allez, go, c'est parti. Ils sont hyper clos, les escaliers. Il faut dédramatiser les captus. Ce que j'explique à mes filles, c'est que c'est pas... En fait, tu le caresses et l'épine devient tienne. Regarde. C'est pas pire. Tu vois? 17! Ouais! Oh, il est chaud! Merde, j'ai oublié un truc en bas. J'ai fait les 17 étages à pied en 2 minutes. Oh! J'aime ça, premier degré, j'aime ça, premier degré, j'aime ça. À quel degré? Au premier degré. Bah, est-ce que tu mets juste les trucs comme ça? Mais non, mais j'avais plus rien. Tu peux pas filmer correctement, mec, sérieux? Quand vous faites un stage audiovisuel, on vous dira jamais le sondier dans le champ et le cadreur aussi. Mais finalement, vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Allez, pousse. Attends. Allez. Donc, pour l'organisation, on fait un transit ici. On met pas tout de suite dans le camion. Non, on met on ça on pose et les choses, d'accord. Ouais. Tiens. Oh là, faut pas que je vous montre. Alors là, t'as rien vu? Non. Non, 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 non. Y'a quoi de... Non, 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 t'inquiète. Va me dire ça à moi.
Je n'ai jamais vu ça. C'est faux pas. Vraiment pas que tu vois ça, Flo. Pour le coup, faut pas que tu vois ça. Tu nous as pas dit qu'il y avait ça là-dedans. Bon, enfin, les gars. Mec, mec, arrête. Non, non, allez, déménagement, déménagement. Rappelle-toi, tu te rappelles le truc. Regarde. Tu savais quoi ? Tu savais ? Tu savais ou pas ? Non, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre qui a. On va appeler ça le mystère de l'immeuble. De l'immeuble. Non, mec, 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 mec. Allez, dépêche-toi, on s'en fout. Tu peux pas savoir ce qu'il y a. Vous saurez à la fin de la vidéo ce qu'il y avait dedans, ok ? Écoutez, il y a Bigard. Non, non. C'est ok. Non, ça c'est pour muscle. Ça c'est pour muscle. Mais attention, mais il y a des tableaux, mais t'es con. Mais j'ai ah oui, c'est vrai que t'es que le muscle. Bah oui, rappelle-toi. Bah éventuellement, ne fracasse pas les tableaux contre les murs. À partir de maintenant, dès qu'il y aura une erreur de syntaxe, de bécherelle, de grammaire, dès que quelqu'un ratera une phrase, une conjugaison, il y aura un gros coup de nerf dans la gueule. Donc toi, c'est d'office. Voilà. Allez, on y va. Est-ce qu'on t'a présenté Thérèse, Carlito? Thérèse, quoi? Ouais. Qui est Thérèse ? Qui est Thérèse ? La trottinette électrique, Thérèse, qu'il faut prendre avec nous. Oui, non. Tu vois ? Quasiment 6000 km au compteur. Ouais. Je ne remonterai jamais là-dessus, moi, vous savez, c'est j'ai eu un accident. C'est vrai. Ouais. La boulette. Non, c'est pas grave, mais. Traumatisme. Ah ouais, je suis traumatisée, c'était horrible. Elle s'est repliée. Elle s'est repliée pendant que je roulais. Double entorse. Donc vous êtes sœur, il y a d'autres frères et sœurs ? Non. Est-ce que vous entendez très bien ? Ouais. Est-ce que tu veilles sur elle et en fait, parfois, ça s'inverse ? Exact. Est-ce qu'elle est plus à l'aise avec les sentiments et toi moins ? Ouais, oui. Est-ce que t'es taureau ? Non. Toi, tu es vierge ? Non. Bah, madame, fais dodo. Faut y aller. Son petit visage. Regarde pas là-dedans. Regarde pas Flo. Non. Allez, venez, on prend le sommier. À la fin de la vidéo, vous aurez le reveal de ça. T'as vu ça, mon gars ? Ça fait mal, hein ? Mais Martin, allez. Mais pourquoi tout le monde a le droit de regarder ? Tu viens là. Ça fait 3 ans que j'y pense. Oui. Je me dis. Oui. Le jour où je le vois, c'est dingue. Il y a un modèle de matelas qui s'appelle Moclès, ça s'appelle l'épée de dame Moclès. Tiens, tu mets la cam là. Tu mets la cam là, ça fait un petit POV matelas. Là, c'est pas... Tout ça, faut garder le montage. Hein. Faut garder ces moments de vie. Pied, ça prend 2 secondes à démonter, on démonte. Ah, allô ? Ouais. Tu vas bien ? Le désastre écologique, le désastre humain. Puis avec le... Non, le président du Qatar, le qu'avant ça, les entreprises. Regarde là-bas. C'est incroyable ce qu'on voit. C'est ouf, hein ? Regarde, c'est dingue. On a quelqu'un à vous présenter, du coup. Il y a ma mère et ma grand-mère qui sont aussi là pour nous aider. Mais qui non. sont ravis de vous rencontrer. Véronique. Véronique, enchantée. Véronique enchantée. McFly. Enchantée. Et ça, c'est Mayanne, notre grand-mère. Mais... Mayanne. Et vous venez pour les déménagements ? Mais oui, bien sûr. Mais enchantée de faire votre connaissance, regardez Mayanne. Comment vous appelez-vous ? Mayanne. Oui. Mayanne. Enchantée, vous... Mayanne. Ce déménagement, il y a beaucoup de choses. C'est quoi cette... Il se passe beaucoup de choses. Cette famille de rêve. Mais vous... Ma grand-mère ne vient pas à mes déménagements. Ah. Et moi, elles sont toutes mortes. Et tous mes grands-pères sont morts. Non mais, c'est pour dire. Mais vous allez nous aider ? Ah bah bien sûr, je suis venue pour ça. Bon bah, tenez. Attendez. Je vous donne ça. Mike. Non, si vous trouvez qu'il y en a qui sont trop lents, hop, dans la tranche. Un petit coup, faut pas hésiter. Mayenne, je l'adore. Tiens, je pense que tu peux... Est-ce que juste pour ça, vous pouvez faire en intérim, une fois par semaine, vous êtes ma grand-mère ? Une fois par semaine. Juste pour ça. En plus, pour savourer, elle a un gun, Mayenne. Vous avez Internet ? Tu m'as eu. Oh, tu l'as eu, tu l'as pas eu. C'est très fort, stand-up de merde. Petit débrief, comment ça se passe jusqu'à présent ? Super bien, dans la bonne humeur. McFly est pas hyper efficace. Mais... Et donc, d'accord. Toi, tu as fait un BTS ? On a un énorme souci. Marie-Pierre, vous avez tué Marie-Pierre ? Alors, ah si, ouais. Non. Oui, mais alors regardez cet arbre. Franchement, à mon avis, elle peut encore repartir. Là, il faut beaucoup d'espoir. Là. Pourquoi tous les objets chez vous ont des prénoms de dames ? C'est important de personnaliser chaque chose. Bien sûr. Allez, on le porte. Bonjour comme ça. Bonjour à vous. Vous êtes père et fils. Ah putain, c'est hyper lourd. C'est bon, les filles, on passe, on y va. C'est sûr que ça passe. Poussez plus fort, c'est sûr que ça passe. Je ne suis que muscle, rappelez-vous, je n'ai pas d'intelligence. Mais mettez-le à la verticoule. Oui. Allez. C'est ça, quand il manque de l'esprit, on est mal placé. Le camion est trop loin de l'immeuble. Allez. Il faut enlever le pied supplémentaire, de façon à gagner de l'horizontalité. Celles et ceux qui n'ont rien dans les mains doivent effectuer des trajets. Allez, les on y va, on est parti. Qui ont à disposer. Non, parce qu'il faut optimiser. Qu'est-ce qu'il fout, Carlito, il est où ? Tu veux aller voir ? Bah, va voir, ouais. Parce que là, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui.
Faut être stratégique. C'est pas logique déjà ce qu'on a fait là. Peut-être là, attends. Oh putain ! Bah c'est incroyable ! Mais monsieur ! Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Vous avez enfoncé la porte avec la voiture, madame ! Elle n'y est pas allée de... Ah mais elle s'en va ! Elle a rien à foutre ! Une dame a foncé dans le camion ! C'est incroyable, t'as vu ce qui s'est passé ? C'est clairement pas son coup d'essai. Donc ça, c'était ouvert la meuf, elle rentrait dans la porte. Et elle est partie. Et écoute bien, elle a un A sur sa voiture. Et Karl est toujours pas là. Ici, c'est 10 euros. Vous avez un pull pétrole qui est magnifique, mais je crois qu'il est parti. Je travaille, là. Pardon, excuse-moi. Je n'ai pas réussi à fermer une simple porte. Putain, c'est vrai qu'elle est... Pause déj. Et après, allez, c'est l'emménagement. Après. Ah non, mais vous savez ce qui est cool ? Ce qui est cool dans les déménagements, c'est que la pause déj, c'est souvent des pizzas. Et regardez, regardez Julie qui arrive ! Oh là là ! C'est ça le problème de la pause déj pizza, c'est qu'ensuite ça pèse. Mais on est des warriors et on va dans le cinquième, 32 minutes. 32 minutes là, oh la vache, c'est toi qui conduis, je vais faire une grosse sieste. Tu peux faire un dodo. J'ai cru entendre tout à l'heure, je crois que de l'appart, il n'y a pas d'ascenseur vraiment là-bas. Merci Gotha et Doag. Non, mais ça, vous savez quoi ? Ça fait plaisir. Le jeu de l'observation, le jeu de l'observation. Il y a des belles photos, prends, j'adore quand il y a des photos comme ça. Vous faites des photos, vous ? Ah, je l'ai pas eu. Dommage, pas dommage. Eu. Alors que regarde bien. Excusez-moi, vous marchez dans ce sens ? T'as eu quoi ? Pas mal, hein. J'ai eu un beau oui. Ah, t'as oui, eu un oui ! Vous marchez dans ce sens. Ah oui ! Le jeu de l'observation, pour l'instant, je pense que j'ai plus de points que toi. Parce que j'ai fait un peu plus de déménagement, quoi. Connais-tu le principe des mercuriales ? Les tours qui perturbent les ondes ? Exactement. Quand on passe en dessous, on n'a plus la radio. Preuve tout de suite. Et voilà, on les voit un peu là. Et donc quand on passe sous les mercuriales, regarde, on capte pas bien la radio. On n'a jamais aussi bien capté la radio. Mais sache qu'à une époque, je te jure que c'était vrai. Ouais, ouais, grave. Allez, tout le monde, à toute. Ah ouais, c'est pas le même décor. Hein. L'appart n'est pas le même, hein, tu verras. Il y a moins de vues, enfin il y a moins de vues, moins d'extérieur, mais il y a une belle vue quand même. On est content. Oh, ils nous ont gardé une place. Et c'est passé, Christian. Oh, il y a Mayan, elle est folle avec ses lunettes. Elle est tellement ghetto. C'est bon là? Il y a un ascenseur? Non. 6 étages. Non. Si. Un peu défi. Bah, c'est le moment de montrer qu'ils ont, qu'ils font du sport, quoi. Ils en font plus, hein. Ils en font plus. La communauté. La communauté. Allez, on y va, les loulous. C'est par où que t'habites? Là, juste là. Bah, c'est pas toi. C'est pas moi, mais... C'est ta sœur. Ne réponds pas. Il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Elle veut... Oh là là, il y a tout ça. Oh, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. Mais non. Oh mon Dieu. Attends, mais c'est ouf. Regardez là. Bon, il y a 6 étages, les gars, il faut y aller. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Pas envie d'y aller, là. J'ai l'impression qu'il fait rien. Excuse-moi, mais déjà... Regardez, t'as pas vu ça, ça On y va, qui nous guide? Mettez tout dans le hall, c'est allez. Mais dans le hall, c'est ici, à gauche, la première à gauche. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Très joli aspirateur. Ah, mais il y a un petit ascenseur, quand même. On pourra jamais rentrer le lit ou le canapé là-dedans. Ouais, ça va, mon gars? Monsieur, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes d'origine marocaine? Non, égyptien. Égyptien, absolument. Vous êtes né en mars? Comment t'es? Ah, t'es un voyou? Non, je sais, ça t'es sent. T'es un marabout? Et tu as 3 frères et sœurs? Non, j'ai 1 frère et 3 sœurs. Ah, bah, alors, voilà. C'est ça qui nous a eu. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous. Comment tu sais? On reviendra pour d'autres phases de mentalisme. Allez. Je vais attraper le tapis. Go. Mais tu communiques pas, mec, y a plus rien. Il suffit, non mais d'accord. Avance, porte et recule. Le film avec Julia Roberts là. Avance, porte et recule. Quelqu'un a une oreille sur mon cul. Une oreille sur mon cul, vite. Est-ce que vous êtes en train de faire rien, les filles? C'est ça. Ah, allez putain. Oh, allez, recommence. Allez putain. Bon, allez, viens, je t'aide. Les amis, Mayan s'en va. Mais je reviens. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Mais oui, mais non. Au moment le plus dur, vous partez. Ouais. Lien de cause à effet? Mais c'est calculé. Ah, voilà. C'est pensé. Vous reviendrez quand tout sera prêt et fini. Voilà.
pas voir si vous avez bien travaillé. Oui, merci. On va le faire pour vous. Voilà, regarde les trucs du canapé. Bon, le monde, faut le monter à pied, ça. Allez, c'est faut parti. Faut le monter à pied. Attention, hein. Bah non, 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 alors stop, alors stop. Ce conseil, ah non, non. Si vous me connaissez, je suis psychorigide. Le conseil, attention. Non mais il y a pas de soucis, prends ton temps, discute. Ah merci Gotaga, Gotagui Carlier. Oh d'ailleurs à propos de Guy Carlier, pose. Non non mais pourquoi, pour parler de Guy? Ouais. Le pacte des darons. J'ai avancé, regardez cette photo. On avance bien, on communique, on se voit un peu plus. Le moment de parler de ça, sérieux? Bonjour madame. Des bruits. Attention pour l'autre. Allez. Go, 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 les gars. Ah, c'est sous-comble un peu, c'est ça. Ça, c'est le comble. Elle aime bien être dans les hauteurs, cette femme. Bravo! Ah, trop bien! C'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe. Ah, vous voyez encore la tour Eiffel? Alors, on est parti. Oh, oh, le Warrior. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Regardez-le. Touche pas! C'est incroyable. Hey, je fais comme David, regardez! Franchement, bah c'est cool, hein! Comme lui, là! Tout seul et tout! Ça me gratte la tête! Là, là, oui, oui, tu l'as eu, oui! Ouais, oh la vache, toi! Ouais, attends, ouais. Okay. Ah ouais, non mais, ouais! Okay, ouais, non mais... Oh, ça décède, les enfants, là! La prochaine fois, on fait une maison plein pied dans les Yvelines! Me dis pas que vous faites rien! Non, non, non! Non, non, je... Regarde-là, regarde-là! Allez! Tu veux la petite transpi, là? Allez, le petit dodo, on y est presque. C'est le dernier truc à monter. Allez, allez. J'aime bien aider les gens. Et il aime bien faire dodo aussi, hein. Ouais. Allez. Allez, c'est dans la tête. On a traversé une mer. Bravo tout le monde. Du bruit pour Marie-Pierre. Marie-Pierre qui sera en vente contre toute attente, ouais, sur Vinted. T'as ainsi que toutes nos fringues et deux trucs qu'on aura volés discrètement. Est-ce qu'on a été des bons déménageurs? Vous avez été incroyables. Ton appart est très bien, tu es bien ici, vous êtes bien votre ici. Votre appart, oui, tout à fait. On souhaite que vous soyez bien heureux là-dedans. Mais on serait peut-être encore plus heureux si jamais vous pouvez nous faire une super œuvre d'art. Pour ça, vous avez acheté une belle toile. Oh, oh la vache, avec vraiment. Il y a encore un effort à fournir. Merci à Vinted de nous permettre de faire aussi cette vidéo. Objectif 60 000 abonnés. Et aussi, il y a la fonction compte à rebours, c'est la nouvelle fonction sur Vinted que vous verrez. Donc ça va être en ligne, mais ça sera en vente à partir de dimanche 18h. Oh, oh, merci à vous, vous étiez bien agréable. Oui, c'est vrai que vous étiez géniaux. Voilà. Si vous avez été. Ah la vache. Qui sait? C'est vrai. Eh bien, on va dire tous ensemble la phrase de fin, mais avant ça, merci beaucoup, merci à Vinted. C'était très fatigant, mais très agréable. Tamar, Flossab, c'était un régal. Vous êtes prêts pour la phrase que vous connaissez, peut-être, j'imagine? Vous l'avez, Marianne? Souscrivez à un abonnement. Souscrivez à un abonnement? Voilà, exactement. On termine là-dessus, on prend pas mieux, ça ira très bien. Bon, David, maintenant que tu me montres. Vous avez attendu jusqu'à la fin de la vidéo, bravo. Voici ce qu'il y a. Dans cette armoire. Flo, t'es prêt? C'est bon, t'es content? Oui. C'est là. T'es prêt?